sans cordes et sans partenaire. Qui était le type assez fou pour grimper comme ça? Moi, Edlinger, personnellement, il y a quelque chose. T'as un grimpeur aux grands cheveux blonds, avec son petit bandana rouge et qui fait des tractions à une doigt et qui va faire des solos de 300 mètres où il se prend à une main dans le vide. Je veux dire, c'est pas trop possible pour quelqu'un qui commence la grimpe de pas être fasciné. On se disait, il est tellement doué, ça va se voir. Quoi. Il y a bien des gens qui vont s'en apercevoir et un jour ou l'autre, il deviendra célèbre. Parce que Patrick, en fait, c'était un trou noir. C'est une star. Donc c'est comme un trou noir de la communication. Il absorbait tout. Et si on faisait des choses à côté, ben, on passait inaperçu. Et à chaque fois, on était un peu les deux têtes d'affiche qui se pointaient et qu'il fallait battre. Edlinger, pour moi, c'est quelqu'un qui grimpait discrètement dans la nature. Quoi. Il voulait se fondre dans le milieu naturel, comme l'aurait pu le faire un animal sauvage. Voilà, pour moi, c'est ça, Edlinger. Si je devais le retenir en un mot, c'est je vis à fond. Quoi. Je vis à fond. Je vis à fond et attention dérapage.